Bienvenue sur la meilleure chaîne d'actualité, de divertissement, de buzz et d'information. Abonnez-vous à la chaîne Franco Le Mignon. Les influenceuses de la CAN, chassées de l'hôtel comme une malpropre. Allah, franchement, c'est pitiable. C'est de la gâchis. Pétier. Tu fais quoi comme ça? Hey, Jesus Christ of Nazareth! Tant jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers! Vraiment! Mes chers téléspectateurs et téléspectateurs, bienvenue dans ce bulletin d'information. Mais avant de vous présenter les titres, regardez d'abord ceci. Écoutez très bien! Ok! 6 jours seulement après le début de leur prestation en tant qu'influenceuse, d'État dans la cadre de la CAN Total Energies Cameroun 2021, elles viennent d'être mises à la porte, pour des raisons d'éthique. Pourquoi ? Les influenceuses droits réservés, Zomo Bem, Aline Marie, Christine et compagnie viennent d'être débarquées de l'hôtel Montfébé à Yaoundé où elles logeaient. Mon frère ! Pourquoi ? Pour cause, les photos et vidéos obscènes d'elles sont en circulation sur la toile. Godness ! Non, c'est pas possible. Quand femme est bête, hein. Ah, vraiment le Cameroun. Pour ne pas entacher l'image de la compétition qu'elle devrait pourtant vendre, la hiérarchie a frappé du poing sur la table. Non, c'est des soignants, je suis déçu. Dans une vidéo devenue virale sur la toile, l'on peut voir et entendre l'une d'elles clamer « Je suis Sardinard Davy, je suis la pute de Paul Biya et j'assume. Oh » Mais vraiment, c'est un crime. C'est une criminelle. Ce qui est sûr, c'est ça, je suis une pute, une grosse pute. J'adore sucer et lécher, avoutait-elle dans la vidéo dans une tenue extravagante, non sans proférer les messages de tribalisme relatifs à l'accession à la magistrature suprême. C'est souillant, hein. Mon frère. Écoutez très bien. Le DCE précisait que ces influences devaient prester du 6 janvier au 10 février 2022. Elles n'auront pas fini le tournoi pour faute d'éthique. Quelle humiliation. Ouah, nous sommes vraiment humiliés. La reconnaissance VIP. Ah, la mère, c'est quoi ça? Jésus. La canne est sucrée, hein. Tu n'as pas honte de dire ça, hein? Je vais avoir honte que j'ai fait quoi? Quoi? Je vais avoir honte que j'ai fait quoi? Ce n'est pas toi qu'on a chassé de l'hôtel comme une malpropre, là. Jamais. La mère, c'est elle. Dans ce pays, mon frère. Oui, la mère. À Yaoundé, non? Tu n'es pas au courant? Jamais. Regarde alors très bien. C'est donc elle qui danse sans que le son là. Vos yeux alors vu, non? Voilà, mais tu as vu maintenant. Vraiment, c'est malheureux. C'est malheureux, vraiment. Après, dit qu'elle n'a pas elle honte, alors qu'on l'a chassée de l'hôtel Montfébé. Si je ne suis pas au Montfébé, j'ai une maison, non? Je pars dans ma maison, non? Ah bon, hein? Donc, tu confirmes que tu n'as pas honte? Et je vais avoir honte, pourquoi? Point d'interrogation. Non, le père, laisse le point d'interrogation. Elle n'est pas d'abord allée se loger chez elle depuis, pourquoi? Point d'interrogation. Grand-mère, donc tu confirmes toujours que tu n'as pas honte? Tu peux avoir honte quand tu as l'argent. Point d'interrogation. Maman, s'il te plaît, montre-nous l'argent qu'on vous a versé pour influencer la CAN. C'est la honte. Le mot honte, c'est où? Je vais avoir honte, pourquoi? Point d'interrogation. Tu es sûr que c'est même l'argent, ça? Tout ça, pour ça. Le père, moi, je suis dépassé. Vous aimez voir avec les yeux. Parce que dès qu'on vous parle, non, c'est rien. Je maîtrise. Pourquoi tu emballes alors? Ouvre, tu nous montres vraiment que c'est l'argent. Si vraiment il y a plus ça, je ne sais pas si est-ce que si je me retrouve dans cette situation, est-ce que qui passe, je n'ai pas aussi de code qui va. Je vais faire comment pour m'en sortir? Non. Mais je conviens. Massa la mère, donc tu as droit à nos stress. Quand tu as le riz, tu ne peux pas avoir de problème. Ah bon? Si, mais on est où? Le Cameroun. On va vous enfermer, vous tous, on vous tape avec les mains, on vous étrangle et on vous jette en prison. Je peux rentrer tout de suite, j'habite le Montfébé.
et il y a encore reste d'argent. Hey! Les Camerounais, que Dieu vous garde. Moi, je ne suis plus là-dedans, ça me dépasse. Si on t'explique le Cameroun et que tu comprends, c'est qu'on t'a mal expliqué. Longue, les artistes camerounais sont en crise de peine que on a invité un étranger, un Congolais, venir prester à l'ouverture de la CAN qui se passait chez eux. Charlotte Dipanda avait chanté à l'ouverture de la CAN au Gabon. C'est vrai. Les gens avaient dit quoi? Les gens n'ont pas parlé. Vous comprenez dans la compréhension? Voilà, un autre exemple, grand frère. Booba. Booba, c'est encore qui? Non, c'est... Oui, c'est Booba. Booba qui est Sénégalais. Mmh! Yeah, yeah! Oui, Booba le Sénégalais, je me rappelle. J'en n'ont pas parlé. Mais pourquoi alors les gens bavardent quand c'est Fali? C'est vrai que on a notre numéro 1 ici depuis 8 ans. Bon, le laisser aller prendre Fali pour pas. Ça veut dire Fali est le meilleur. Tu es sûr? Tu es sûr, mon grand? Parce qu'au Cameroun, il y a aussi les talents, hein? Acceptez ça. Quoi? Papa, on a nous déjà accepté. Sauf que la canne là, en crise, s'est passée chez nous, hein? C'est la Coupe d'Afrique, c'est pas la Coupe du Cameroun. Azambawam, t'es gros noyau. Longa, il faut laisser ça. Ça devait aussi valoriser nos artistes, non? Oh oui! C'est vrai que ça devait faire du bien aux Camerounais de savoir qu'on a choisi Missengo François, qui est un grand poète. Mais il y a aussi les jeunes de la même catégorie qu'on fallait là au pays. Ou Ekambi Briand, ou Loco. C'est vrai. Ou Lady Ponce. Quoi? Ou Lady Ponce. Yeah. Le père, même toi, non? C'est pas possible. Les gars, il faut quand même reconnaître que Fally est le meilleur actuellement, hein? Mais c'est pas mauvais, parce que Fally actuellement est le meilleur. Votre vie vous dépasse, mais vous êtes dans la vie des gens, comme les chansons, tout. Alors que votre vie est pourrie, ça ne vous sent pas. Ferme-moi. On a fait son fermement. C'est tous. S'abonnez-vous. S'abonnez-vous. Et partagez. Ok. Bye bye. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.